Today we are back speaking in French. Yes, all in French. And we are going to be speaking in French about spoken French. And more specifically about how us French people tend to contract or eat our words. It is often a big stumbling block even after years of hard work learning the language. But you'll be surprised, once you know the main principles, once you learn about the four or five main spoken contractions, you'll be able to understand significantly more French. And you'll improve your own spoken French at the same time. So are you ready to start this really quite important episode? Then welcome here, leave your day behind, and let's go. Let's learn some French. Bonjour and welcome to French avec Ingrid, where I help you understand and improve your French in small and easy steps. And in fact, it may well be quite a big step in this episode. Si vous avez écouté les premiers épisodes de nos petites discussions, vous savez que nous allons parler juste en français dans cet épisode. Pour vous aider à apprendre du nouveau vocabulaire, de nouvelles expressions, et aujourd'hui, pour vous permettre de vraiment améliorer votre compréhension. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à changer la vitesse de cette vidéo pour du français plus lent ou plus rapide. Vous pouvez faire ça dans les paramètres, en bas à droite. Dans cet épisode, nous allons couvrir les contractions les plus fréquentes, celles qui posent le plus de problèmes de compréhension. Une fois que vous aurez appris seulement quelques-unes de ces contractions, vous verrez que vous comprendrez tellement plus de français. Et vous apprendrez à utiliser ces contractions vous-même, ce qui va vraiment changer votre français parlé. Et je termine cet épisode avec un petit défi simple et amusant. Alors si vous arrivez au bout de cette petite discussion, j'ai vraiment hâte de lire vos réponses à ce défi dans les commentaires. Pour moi, c'est un petit peu un mystère, un petit peu une aberration. Les études des langues étrangères semblent presque ignorer la prononciation d'une langue de tous les jours, le langage parlé, alors que c'est tellement important. Le français que vous apprenez est tellement différent du français parlé qu'une fois mis en pratique, vous n'y comprenez tout simplement plus rien. Et bien entendu, ça m'est arrivé aussi avec mon anglais. J'ai un souvenir tellement net de la première fois où j'ai dû essayer de comprendre sur le vif de l'anglais parlé, de l'anglais de la vie de tous les jours. Et dans mon cas, c'était avec l'accent américain en plus. Commençons par quelques exemples. Voici quelques petits extraits de nos petites discussions. Dans l'ensemble, j'essaye de parler très clairement, de prononcer tout ce qu'il y a à prononcer, mais parfois, je laisse passer un petit peu de français un peu plus décontracté. Sans en prendre le temps, très vite, ce n'est pas vraiment français. Métaphoriquement, et d'apprendre de nouvelles choses que je ne connaissais peut-être pas. Un petit exemple tout simple. Votre serveur répétera souvent votre commande, suivi d'un petit « avec plaisir » ou « ça arrive tout de suite ». Les contractions, dans le parler français, il y en a vraiment 4 ou 5 qui sont complètement inévitables. Voyons lesquelles. On commence par « je »,« tu » et « il ». « I », « you » and « he » or « they ». Pour chacun, je vais vous donner un exemple correct, suivi d'un exemple en français parlé plus authentique et plus décontracté. « Je »,« je vais », »,« je vais au cinéma », »,« je vais au cinéma », »,« je peux », »,« je peux lui envoyer des chocolats », »,« je peux lui envoyer des chocolats », »,« je suis », »,« je suis tellement fatiguée », »,« je suis tellement fatiguée », »,« je t'appelle demain », »,« je t'appelle demain, ok ?» Donc dans tous ces cas, tout simplement, on oublie le « e ». Je t'appelle, je suis,
je suis, je peux, je peux, je vais, je vais. Et vous avez sans doute remarqué que quand le son je est suivi d'une autre consonne, c'est assez difficile de garder le je et il devient un petit peu un che. Je vais, je suis, je peux. Essayez quand même de ne pas aller trop loin dans le son che si vous pouvez et d'essayer de garder un petit peu de ce son abrasif du je. Comme par exemple, je t'appelle. Passons maintenant au tu. Avaler le U est très facile à faire quand le mot suivant commence par une voyelle ou un H. Tu arrives? Tu arrives bientôt? T'arrives bientôt? Tu invites? Tu invites trop de personnes? T'invites trop de personnes? Et enfin, avec il, he ou they, je pensais que les contractions avec il étaient peut-être un petit peu moins courantes. Mais en fait, je pense que je ne m'en aperçois même plus. Par exemple, il commence à faire froid, il commence à faire froid ici. Un autre exemple, il faut venir nous rendre visite, il faut venir nous rendre visite. Et au pluriel, ils ont froid, ils ont froid. Mais il y a une expression qui sera pratiquement tout le temps contractée, tout le temps avalé avec du français parlé. Et c'est il y a. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oh, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc en fait, avec il, la contraction devient vraiment naturelle, tellement que je ne m'en aperçois plus. Et avec il au pluriel, on enlève le L, mais on garde le S. Ils ont froid, ils ont froid. Et selon la vitesse à laquelle on parlera, parfois, on oubliera entièrement le « il ». Allez, il faut partir maintenant. Allez, faut partir maintenant. Donc, si vous entendez un « i » en début d'une phrase, ça remplace sans doute « il ». Et s'il vous semble qu'il manque quelque chose en début d'une phrase, ça sera certainement le « il ». Le deuxième cas, où les Français mangent leurs mots, mangent leurs syllabes, c'est avec la forme négative ne pas. Et si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai enregistré un épisode sur la forme négative en français. Je vous mets le lien ici. Ce n'est pas, it is not, ce n'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas important de prononcer tous les mots dans le français de tous les jours. Je n'ai pas faim. J'ai pas faim. Je n'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Alors, comme vous l'entendez sans doute, cette contraction est vraiment naturelle. Elle est vraiment très utilisée. On passe au troisième cas où la contraction se fait pratiquement tout le temps. Pratiquement tout le temps. Et oui, c'est avec le petit mot, l'article, le, the. En préambule, j'aimerais quand même souligner que le suivi d'une voyelle ou d'un H muet devient l'apostrophe. L'escalier, l'arrivée, l'Italie, l'orthographe, l'homme. Et ça n'a rien à voir avec le français parlé, le français plus décontracté. C'est tout simplement une règle qui s'appelle l'élision. Ça nous laisse donc le suivi d'un mot qui commence par une consonne. Comme vous l'avez entendu dans ma phrase d'introduction, tout le temps, tout le temps. Ou je n'ai pas le temps. Oh mais là, je n'ai pas le temps. Ou même j'ai pas le temps. Le moment venu, on partira. Le problème, c'est qu'on a trop de travail. Ou même le problème, c'est qu'on a trop de travail. Avec une contraction pour le et pour le de. Et enfin, le dernier cas qui concerne la lettre E en général. Dans beaucoup de mots, surtout les petits mots, le E sera avalé, le E sera oublié. Quelques exemples avec que. Elle m'a dit que j'avais changé. Elle m'a dit que j'avais changé. Déjà, il est déjà midi. Il est déjà midi. Petit,
un petit peu, c'est quelque chose que je dis beaucoup, un petit peu de ça. Et ça nous amène donc tout naturellement à deux, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Il y a de la neige, il y a de la neige. Il y a de l'orage, il y a de l'orage. Et quelques expressions qu'on utilise beaucoup. Peut-être. Il faudrait peut-être que l'on se prépare. Il faudrait peut-être que l'on se prépare. Maintenant. Maintenant est souvent prononcé maintenant. Par exemple, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et enfin, parce que, qui est pratiquement toujours prononcé, parce que, et même parfois, parce que. Ce qui veut dire qu'on oublie de prononcer le E et le R. Parce que, parce que, parce que. Et une petite mention pour qui, suivie d'un A. Et dans ce cas, on va oublier le I. C'est elle qui a dit ça. C'est elle qui a dit ça. Voilà, nous n'avons sans doute pas entièrement tout couvert, mais je pense que ces exemples vont vraiment aider votre compréhension. C'est important de préciser que vous n'avez pas besoin de faire ces contractions vous-même, mais de les entendre, de les reconnaître et de les comprendre, c'est quelque chose de très important. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez donner un boost à votre français parlé, pourquoi ne pas essayer d'introduire certaines de ces contractions quand vous parlez? Vous n'avez pas forcément besoin de parler à quelqu'un. Vous pouvez tout simplement parler à voix haute pour essayer de vous habituer au nouveau son. Je vous recommande de commencer peut-être par la négative. C'est une contraction qui est tellement utilisée. Tu n'as pas froid? T'as pas froid? Et quand vous vous sentez à l'aise avec cette contraction, essayez peut-être d'ajouter la contraction du « je » ou la contraction du « le ». Les contractions avec les liaisons, ce sont à mon avis les deux outils les plus importants pour donner à votre français de la souplesse, de la fluidité qui amènera votre français vers un niveau intermédiaire. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cet épisode utile. Et pour ceux d'entre vous qui ont encore un petit peu de temps, voici le petit challenge dont je vous ai parlé. Le challenge consiste à aller écouter 3 minutes seulement, d'une radio française ou peut-être d'un film français, et de me dire en commentaire quelle est la première contraction que vous avez repérée. La première contraction orale que vous avez entendue. Pour vous aider, je vous mets deux liens en description. Un lien pour France Inter, qui est ma radio préférée. C'est la radio que j'écoute tous les matins sous la douche. Et pour ceux d'entre vous qui préfèrent un support écrit avec l'audio, je vous mets le lien pour RFI. Vous pouvez écouter le journal en français facile, qui est accompagné de la transcription, ce qui vous permet donc de suivre ce que vous entendez avec la transcription. J'adore vraiment ce lien et vous pouvez vous-même l'utiliser tous les jours. Je trouve qu'il est très utile, surtout pour apprendre du vocabulaire d'actualité. Et je vous mets au défi de me dire si vous avez vraiment eu besoin de 3 minutes. Et je pense que vous aurez eu besoin de très peu de temps, sans doute de 30 secondes seulement pour entendre votre première contraction. J'ai fait ce test moi-même et ça m'a pris exactement 3 secondes. Alors voilà mon exemple. C'était dans l'émission C'est une chanson où des personnes connues ou pas connues parlent des chansons qui les ont marquées. Et la première phrase sur laquelle je suis tombée était « Oui, il y a quelque chose dans cette voix qui m'apaise ». Qui était donc du français parlé pour « Oui, il y a quelque chose dans cette voix qui m'apaise. » Oui, il y a quelque chose dans cette voix qui m'apaise. J'ai hâte de lire vos exemples. Dites-moi en commentaire ce que vous avez entendu, les contractions que vous avez repérées
Et n'hésitez pas à faire ça tous les jours si vous voulez, si vous avez 2 petites minutes. Ça permettra à votre oreille, à votre cerveau, de remarquer les contractions et de comprendre ce qu'elles remplacent. Voilà, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Et en attendant, je vous dis au revoir et à bientôt dans un autre épisode.